Bonjour à tous et à toutes, ici Dylan3. Alors aujourd'hui, je me suis permis de vous faire une nouvelle vidéo sur Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3. Ouh. Bon, cette vidéo, en fait, c'est sur le pack Les Coiffes de l'Akatsuki. Alors, comme vous, je vais le découvrir tout de suite. Donc on va voir tout ça. Donc on va faire juste un petit entraînement pour vous faire voir les coiffes de tous les personnages un par un. Donc. Pour commencer, il y avait Itachi. Itachi, il est où Itachi? Il est là. Je sais pas si c'est celui-là ou l'autre. C'est celui-là. Alors, quelle coiffe a-t-il? Ah, je vois, c'est ces coiffes-là. D'accord. Maintenant, Kizame, il y avait aussi, je pense que c'est le même. Et oui, c'est le même. J'y pense, les attaques, on en chance toujours pas. Pareil pour là. Il y avait aussi Kizame, lui. Qui c'est qu'il y avait d'autres? Il y avait Pain, mais avant Pain, il y avait quelqu'un. Deidara, voilà. Je cherchais qui, mais c'était lui. Car en fait, il porte juste un chapeau. Après, il y avait Pain aussi, qui était là. Pain, c'était le torse nu, et oui. Donc on va commencer par Pain comme ça. Allez, c'est parti. Pain qu'on devait, bien sûr, remettre Naruto en mode sage. Donc, peu importe le lieu, on s'en fiche. S'en fiche. Vêtements déchirés. Pain Naruto en mode sage. Ou en mode héros Céline. Je crois que ça se dit comme ça. Donc. Je vais faire vite les attaques comme ça. Hein. Il y a plus de classes comme ça à Pain, je trouve. Bon, et ben maintenant, on va passer comme ça. Voilà, c'est juste pour faire entrer ceci. Faire montrer un peu de tenue et faire son attaque finale avec ce costume. Donc allez, désactive-toi maintenant. Allez, vite. Désactive-toi, j'ai dit. On n'a qu'à faire ça pour faire ses actifs plus vite. Voilà. Donc maintenant, on va passer au même, mais pour Kizame. Donc on va le faire tout de suite. Alors, retour sélection du personnage, oui. Par contre, je crois qu'on va mieux faire en équipe. Je voulais faire tous les personnages, mais on va pas le faire non plus. Voilà, tiens, on va plutôt faire Itachi. Ouais. Itachi comme ceci. Kizame comme ceci. Et Deidara comme ceci. Contre Gai Sensei. Allez, on y va. Gai Sensei, on va juste le mettre avec lui, c'est tout. Peu importe l'endroit. J'aime bien Itachi comme ça avec le chapeau, je trouve qu'il y a plus de classe. Peut-être faire vite fait un combat en ligne tout à l'heure avec ces vêtements-là. Sento Kashi.
Alors, par contre, est-ce que j'ai fait les options? Attends, boule de feu suprême. Alors, c'est à toi la queue. Attends, je vais marcher avec toi. Tu t'as la main. Attention. Attention, attention. Et oui, oui. Kizame contre Gaï. Un magnifique combat du manga. Kizame qui n'allait jamais réussir à voir Gaï. Malheureusement pour lui. Par contre, je vais le bouger de la tête. J'ai pas envie qu'il décolle du parcours, excusez-moi. Contre un autre jutsu. Hop, téléportation. Hop, hop. Tu vois pas, tu vois pas. Je suis là, je suis là. Je vais encore l'écarter cette fois. Voilà, comme ça il se bouge. Voilà, c'est ça que je voulais vous faire montrer. Attaque des chapeaux. Bon, et bien voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. J'espère que vous allez vous abonner à ma page et aimer ma vidéo. Et bien sûr, la partager aussi. Bon, et bien sur ce, je vous dis ciao ciao et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus!